Footballeur émérite, passionné et fidèle à ses couleurs, Florian Jiquel, 18 ans, peut sans nul doute être estampillé « Made in Voltigeur ». En effet, c'est dans ce club qu'il a fait toutes ses classes, et ce depuis sa plus tendre enfance et à l'école de football. Encadré par les dirigeants et les éducateurs maison, Florian est ainsi passé par toutes les catégories et s'est confectionné, doucement mais sûrement, la parfaite petite panoplie du footballeur, s'affirmant de saison en saison comme un joueur leader doté de grandes qualités et d'une mentalité irréprochable. Vous l'avez compris, Florian n'est pas de ces trop nombreux sportifs qui aiment tant se regarder jouer. Non, il est tout le contraire. Car il est avant tout, et c'est Laurent Boumet, son coach, qui l'affirme, quelqu'un de discret, qui se met toujours au service de l'équipe et qui est un exemple de générosité, de courage et d'engagement. Fort donc de cet état d'esprit et très apprécié par ses coéquipiers, Florian a poursuivi sa progression en franchissant, et de quelle façon, la saison dernière, un nouveau palier. Défenseur central, intraitable de l'équipe senior C du club, qui évoluait alors en première division départementale, il a eu le plaisir de connaître les joies d'une montée en DSD, le plus haut niveau du district. Et, cerise sur le gâteau, c'est avec tous ses copains de l'équipe U19 des Voltigeurs qu'il a eu l'immense joie, après avoir éliminé Saumur, Carquefou, La Roche-sur-Yon et Beaucouzé, de remporter la Coupe de l'Atlantique en battant en finale Saint-Nazaire. Un véritable exploit qui a permis à son club d'agrandir sa collection de trophées et de mettre dans sa vitrine, après celle de 1997 et de 2003, la Coupe de l'Atlantique 2011 des U19. Bref, Florian Jiquel se souviendra longtemps de cette saison passée, saison où il s'est révélé au point d'intégrer aujourd'hui l'équipe B des Voltigeurs et la DRH. Une progression douce mais réelle, discrète mais constante, à l'image de ce sympathique jeune footballeur.